tu sais, dans les spectacles, quand les lumières elles s'éteignent, les gens ils applaudissent. Vous non. Les lumières elles me disent tout le temps, vous étiez là. Pourquoi t'arrêtes la musique, gros? Avant de venir jouer à Fréjus, j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, d'aller jouer dans des endroits magnifiques, dont la Belgique. J'ai eu la chance d'aller jouer en Belgique. Et... souvent dans le sud de la France, je sais pas pourquoi, quand tu dis le mot Belgique, vous faites des têtes de. Je sais pas, oui, mais vous êtes là que toutes les deux, tu comprends. Criez les Belges qui sont là. Pas assez nombreux pour jouer, ça, désolé. Mais j'ai joué dans une salle magnifique en Belgique, une salle exceptionnelle, avec un balcon. Et au premier rang de ce balcon, il y avait une dame, mais une dame super vieille, tu vois. Genre, une dame tellement vieille, tu dis, elle peut marcher dans la rue et s'effondrer en sang sur le teint. Au moins, vous avez du mal. Et elle avait une sorte de canne, mais tu peux aussi faire un béquille, tu vois, une canne, le tâche de son nom de la canne béquille, tu vois. Elle regardait le spectacle comme ça, elle était contente. Je commence à faire prof de techno. Ça va la Belgique? La lumière arrive sur elle. Je vous jure que c'est vrai. Elle était comme ça. Franchement, ce serait bien, c'était ça à l'école, non? Franchement. Et un petit lavage, elle a fait, ouais, mais sa mère, elle a fait, ah non, non, tout ça. Moi je déteste l'école, vraiment je déteste l'école. J'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que les parents adorent l'école. À croire qu'ils n'ont jamais été comme ça, ouais. À croire qu'ils sont directement de 9 ou 4 ans. Et bien franchement, honnêtement, qui n'a jamais entendu sa mère lui dire « Tu sais pas la chance que t'as d'aller à l'école. » Moi je serais prêt à y retourner. Ma mère avant m'a même dit « Je paye pour y retourner. » Le lendemain, je suis resté au lit, j'éteins mon réveil, j'ai ma porte à clé, et j'ai glissé une enveloppe sous ma porte avec un billet de 5 euros et un mot qui disait « Facile !» Va au bout de tes rêves. Elle m'a puni. En même temps, on s'est jamais rien rencontré. Très gentil, vraiment gentil, mais ça sert à rien, parce qu'elle n'est pas là ce soir, du coup, tu fais où? Ah, rien, voilà. Non, c'est vrai, c'est elle m'a puni. En même temps, on s'est jamais vraiment compris avec ma mère. Et je pense que ce qui reste le semblant de l'incompréhension, ça reste la rentrée des classes. Papa, tout content. C'est la rentrée des classes. C'est super, tu vas retrouver tous tes copains. Et tu vas remettre un peu de temps, on va pouvoir le coller sur le frigo. D'avoir le visage des parents qui font genre non, on n'a jamais fait ça chez nous. Désolé, c'est les parents dans la salle qui ne le savaient pas encore, mais c'est important que vous sachiez. La rentrée des classes de nos jours, c'est plus du tout comme à votre époque. Ça ressemble plus du tout à ça.